À deux pas des remparts du théâtre des Lucioles et des Amants, Christophe Blanc et son équipe ont réussi leur pari, ouvrir leur restaurant tous les jours du festival en pratiquant des prix corrects et en mijotant des petits plats faits maison. L'année prochaine, ici, ça sera ouvert avec un coin plus aménagé, donc avec à savoir une toile de tente, plein de panneaux pour montrer nos spécialités provençales. Près des remparts, place Saint-Joseph, à côté du lycée Théodore Obanel. Et sinon, toute l'année, vu qu'il y a l'école, le lycée Théodore Obanel qui est à côté, donc ça fonctionne, mais uniquement en mode snacking. Et le festival, on fait aussi mode snacking ainsi que le mode grande restauration. C'est du fait maison. Hein. Et c'est du fait maison, tout est fait maison ici. Le carpaccio, les pavés de taureau, les entrecôtes, les salades, tout est fait maison. Bon, alors, donc fin de festival, mais l'année prochaine on revient. L'année prochaine on sera là, on vous attend.